Salut à tous les amis, ici iPhone Crack Pro. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une application iOS 8. Donc c'est un clavier, donc depuis l'iOS 8 on peut rajouter des claviers depuis l'App Store. Donc le clavier s'appelle Phraseboard, donc il est dans le top des claviers, il vous suffira juste d'aller voir. Donc voilà, donc il est gratuit. Hein. Donc il consiste tout simplement à en fait vous sélectionnez des phrases. Vous les écrivez depuis l'application. Et ensuite, lorsque vous ouvrez le clavier, donc vous avez vos phrases et vous pouvez les taper pour les écrire beaucoup plus facilement. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc hop, on va l'ouvrir. Donc voilà, vous avez vos catégories. Donc on va créer une nouvelle catégorie pour le test. Donc on va l'appeler divers tout simplement. Hop, voilà, elle est ici. Donc là, vous ajoutez ce que vous voulez. Donc par exemple, voilà. Hop, 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 donc voilà, hein. Voilà, on va faire le test avec ça. Donc ensuite, vous choisissez la priorité, donc on va prendre la nouvelle qu'on a faite, on va la mettre en premier. Voilà, donc ensuite vous ajoutez le clavier, donc si vous ne l'avez pas fait. Donc je fais un petit rappel, donc hop, vous allez dans Général, ensuite Clavier. Une nouvelle fois clavier, ajouter un clavier, donc vous sélectionnez phraseboard, pardon, il sera ici. Donc ensuite voilà, je l'ai ajouté, donc vous autorisez l'accès complet, hop, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez le tester. Donc on va faire un test depuis Spotlight. Donc hop, voilà. Donc voilà, là, on atterrit tout de suite sur la catégorie qu'on vient de créer. Donc voilà, hop, vous voyez. Hop, vous cliquez juste sur le mot et ça le met en entier. Donc après, en cliquant en bas ici, vous avez toutes vos catégories. Voilà. Ici, vous avez la localisation. Donc ça, c'est pour la partager. Hein, c'est un petit bonus. Donc voilà, pour vous activer la localisation. Et donc vous pouvez. Voilà, donc pour revenir, tout simplement, c'est là. Donc voilà, c'est tout pour ce clavier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous allez le télécharger, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.